Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue au ministère des serviteurs du Seigneur. Je m'appelle Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer avec le message d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous encore une fois l'appel du ministère que Dieu a donné au fondateur il y a de nombreuses années. Dieu a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient à moi. Ils m'ont cherché pour le ministère, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été satisfaite, qui est réservée pour une relation intime avec moi. » Maintenant, leur cœur crie vers moi que pour moi. Ils sont ceux auxquels je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant de temps que toi pour arriver à moi, car il n'y avait personne pour te le montrer à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour trouver ceux qui ont un cœur selon Dieu. Aujourd'hui, je parlerai du renouvellement de l'esprit, des pensées ou de l'intelligence, selon la traduction biblique. Et Paul a dit en Éphésiens 4, dans les versets 23 et 24, « À être renouvelé par le changement de ceux qui orientent votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. » Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Votre rôle consiste à vous revêtir de l'homme nouveau qui ne consulte pas sa propre volonté. Jésus est notre exemple en Jean 5, verset 30. Jésus, il a donné son propre témoignage. Donc, en Jean 5, 30, il dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Regardez ce verset comme un nouveau système d'exploitation sur un ordinateur. Il est sans virus, car tous les virus qui s'exécutent nécessitent certains processus dans votre tête qui ne se déroulent pas lorsque Jésus est le Seigneur de votre vie. Joseph Hedgecock dit dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, « Grandir spirituellement » sur la page 200 dans la version anglaise. Les pièges auxquels vous devez vous échapper sont dans votre esprit, dans vos pensées. Les pièges surviennent lorsque vous ne faites pas prisonnière vos pensées pour les amener à obéir au Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Pour être libre, vous devez vous soumettre complètement au Seigneur pour qu'il vous change. L'œuvre principale du Saint-Esprit est de vous transformer d'une personne charnelle à une personne spirituelle. Vous ne pouvez être sorti de captivité que par l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous révèle la vérité, il expose également les mensonges que vous croyez être vrais. C'est l'essence même de la conviction. Il vous convaincra que votre croyance est fausse et vous montrera la vérité qui la remplace. Lorsque vous laissez l'Esprit exposer un mensonge que vous avez cru et vous faites acte de repentance, vous avez l'opportunité de recevoir la vérité par la foi et d'y obéir. En embrassant la vérité dans votre cœur et votre esprit, elle remplace la pensée que vous aviez avant. Cette partie de votre esprit est renouvelée. Dans ce domaine particulier, vous avez l'esprit de Christ parce que vous pensez maintenant ce qu'il pense. Une fois un domaine renouvelé, la première pensée qui vous vient à l'esprit devrait être la vérité. Rappelez-vous, c'est un processus qui prend du temps, mais cela ne prend pas une éternité. C'est un autre mensonge de Satan. Demandez à l'Esprit d'exposer chaque mensonge que vous croyez être vrai et vous vous retrouverez à vous libérer des pièges sataniques dans votre vie. Il est important de comprendre que proclamer que vous avez l'Esprit, les pensées, l'intelligence de Christ, simplement parce que vous êtes sauvé est une fausse doctrine. Recevoir la pensée de Christ est un processus. 2 Corinthiens 5, 17 dit que les choses anciennes disparaissent et que toutes choses deviennent nouvelles. Cela ne se produit pas en un instant, mais chaque fois que vous vous repentez, vous aurez davantage les pensées ou l'intelligence de Christ.
Votre esprit, vos pensées ne se renouvellent pas simplement en acceptant ce que Christ a fait sur la croix ou en répétant une seule prière. Si vous ne souhaitez pas être condamné et couragé, ou si vous, en fait, si vous n'êtes pas préparé à avoir la conviction et à être corrigé, votre esprit ne sera jamais renouvelé. Les choses anciennes doivent passer par la repentance avant que la nouvelle révélation puisse prendre sa place. Dieu sait ce que ces choses sont, mais vous devez répondre au changement en vous repentant des mensonges qu'il révèle. Votre esprit ne sera pas renouvelé rapidement si vous permettez à ceux que vous croyez déjà de ralentir ce processus. Tout doit être mis en lumière, y compris les doctrines que vous croyez. Vous n'avez rien à craindre si ce que vous croyez est la vérité. Sinon, vous pourriez finir par résister au processus. Il existe de nombreuses dénominations et chacune croit avoir la vérité constituée de théories et d'idées toutes mélangées. Joseph Hedgecock dit, « Ce que vous pensez savoir vous empêche de savoir ce que vous devez savoir maintenant. » La meilleure façon est d'oublier tout ce que vous savez et croyez en tant que doctrine. Ensuite, laissez le Saint-Esprit ramener tout dans votre esprit et confirmer tout avec le témoignage de l'Esprit. Estimez ne rien savoir sauf Christ et lui crucifié pour vos péchés. Jésus a dit en Matthieu 18, verset 3, et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Prenez un nouveau départ aujourd'hui et assurez-vous que tout est correct ou en ordre. Jésus a dit en Matthieu, chapitre 6, dans les versets 9 à 13, donc dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 6, dans les versets 9 à 13, Jésus a dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Vous ne pouvez pas prier pour quelque chose qui n'est pas dans votre cœur. Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils devaient rechercher sa volonté parfaite en premier ou tout d'abord et n'avoir d'autres intentions que à part de la venue de son royaume et l'accomplissement de sa volonté. Sa volonté parfaite est votre objectif si vous êtes un disciple de Jésus. Il est maintenant votre pourvoyeur ou votre Père céleste. Vous devez donc aussi l'attendre pour vous diriger. Êtes-vous prête à vivre de cette façon? Êtes-vous prête à vous fier à Dieu par le biais du Saint-Esprit qui vous fournit des pensées même sur ce qu'il faut manger? Jésus a enseigné que nous ne devons pas penser aux choses naturelles. En Matthieu 6, dans les versets 25 à 33, Jésus a continué. Donc, c'est en Matthieu 6, dans les versets 25 jusqu'au 33. Jésus a dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement et étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs? Elles ne travaillent pas et ne tissent pas.
Cependant, je vous dis que Salomon, lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous ? » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Les traductions modernes disent « Ne vous inquiétez pas », mais la version King James en anglais dit « Ne réfléchissez pas ». Êtes-vous toujours en train d'initier des pensées? Penser est dangereux car cela va générer beaucoup de doutes et même de peurs. Si vous consultez votre propre raisonnement, alors vous ne faites pas confiance au Seigneur. Jésus a dit que c'était un manque de foi en Dieu. Pour douter de Dieu en tant que pourvoyeur, vous devez écouter davantage une mauvaise voix plutôt que les enseignements de Jésus. Vous avez maintenant un Père céleste qui fournira tout ce dont vous avez besoin en accordant la priorité à son royaume et à sa justice. Lorsque vous commencez à penser, vous servez vos propres intérêts et ceux du diable. Penser peut être une habitude parce que vous avez fait cela toute votre vie. Si une pensée vient de la consultation de votre esprit, elle est charnelle. Si vous écoutez vous-même et vos propres idées, vous allez recommencer à servir les forces démoniaques. Joseph Hedgecock dit dans le chapitre 1 de son livre « Wake up, time is running out, volume 2, Growing up spiritually, réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, grandir spirituellement », à la page 21, c'est dans la version anglaise. L'une des déceptions de Satan est de vous convaincre qu'il y a un troisième choix. Il essaie de vous faire croire que tant que vous faites de bonnes œuvres, vous êtes bon. Vous n'êtes pas bon car il n'y a pas de troisième choix. Vos choix ne sont pas mauvais, bons ou meilleurs. Ils sont mauvais ou meilleurs. L'ennemi de ce qui est le meilleur est ce qui est bien, pas ce qui est mal. Si une pensée vient de Dieu, c'est l'amour, c'est le meilleur. Pour plus d'informations sur le fait que ce qui est bien est l'ennemi de ce qui est le meilleur, alors lisez le livre The Gilded Prison Revised Edition, la prison dorée, l'édition révisée qui existe en anglais par Joseph Hedgecock. Paul a dit en Éphésiens 2, versets 1 et 2, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Sous le Dieu de ce monde, vous avez désobéi au plan de Dieu pour votre vie. Des choses ont été potentiellement volées à cause du temps perdu à servir le royaume des ténèbres. Vous avez déjà servi le diable par ignorance avant aujourd'hui. Vous pouvez obtenir de la grâce si vous étiez trompé en pensant que vous serviez Dieu. Mais puisque vous êtes un enfant de Dieu maintenant, vous avez le Saint-Esprit. En Proverbe 16, dans les versets 25 et 26, c'est écrit « La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Celui qui travaille, travaille pour lui, car sa bouche l'y incite. » Tout ce que vous faites en tant que seigneur de votre propre vie ne peut pas être justifié comme étant juste simplement à cause d'un résultat positif. Mais vos œuvres n'ont pas rendu gloire à Dieu, mais au diable à la place. Si Dieu n'obtient pas la gloire, c'est le diable qui l'obtient à travers les appétits de la chair. Paul a dit à l'église persécutée de Philippe de ne pas penser au problème qu'elle traversait et de chercher uniquement à maintenir la paix de Dieu. En Philippiens 4, dans les versets 6 et 7, c'est écrit «
Donc Philippiens chapitre 4 dans le verset 6 et 7 où c'est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu peut alors déposer les pensées qui vous aideront chaque jour lorsque vous vous retirez de votre propre garde et que vous vous mettez dans sa garde. Il se soucie de vous. » Paul a donné quelques exemples pratiques de la façon de fixer vos pensées sur les choses d'en haut. En Philippiens 4, verset 8, c'est écrit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » Pendant que vous pensez à ces choses d'en haut, vous ne pouvez pas penser à votre problème. C'est comme si vous clouez, c'est comme si vous clouez votre esprit ou vos pensées. Pendant que vous pensez aux bonnes choses, vous aurez la paix. Paul dit dans le verset suivant, en Philippiens 4, verset 9, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » Paul était un excellent exemple et capable de gérer le stress et de fonctionner comme un soldat. Vous n'êtes peut-être pas appelé en première ligne, mais il a dit à Timothée en 2 Timothée 2, 3, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Paul a également, donc en fait ça c'était en 2 Timothée chapitre 2, verset 3, et je le répète, 2 Timothée 2, verset 3 dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Paul a également dit ou parle de ceci en Colossiens 3, verset 2, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Webster décrit l'affection comme l'état d'être touché, c'est peu utilisé, ou une passion, mais plus généralement un esprit penchant vers un objet particulier, tenant une place médiane entre la tendance, qui est naturelle, et la passion, qui est excitée par la présence de son objet excitant. L'affection est un penchant permanent de l'esprit formé par la présence d'un objet ou par un acte d'une autre personne et existant dans la présence de son objet. Êtes-vous ému par Dieu et voulez-vous simplement l'émouvoir en retour? Si oui, écoutez ceci, Webster dit aussi à propos de l'affection. D'une manière générale, un attribut, une qualité ou une propriété qui est inséparable de son objet, car l'amour, la peur et l'espoir sont des affections de l'esprit. La figure, le poids, etc. sont des affections du corps. Êtes-vous des fous amoureux pour des choses de Dieu ou pensez-vous à d'autres choses? Si vous avez une autre passion qui n'est pas comme le Christ, vous n'êtes pas digne de Jésus. Il a dit en Matthieu 10, dans les versets 37 et 38, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Vos pensées doivent encore être changées. Les autres autour de vous peuvent éventuellement ne pas apprécier cette affection pour le Christ. Ils pourraient juger cela extrême, radical ou inutile. Mais ces affections, ces fruits de l'esprit montrent que votre esprit est renouvelé. Keith Green a défini un chrétien comme quelqu'un qui est un fou amoureux
pour Jésus, Jésus. Si vous voulez entendre les pensées de Dieu, Jacques suggère, en Jacques 1, verset 19, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Le psalmiste dit en psaume 46, dans le verset 11, dans la Bible française, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Votre esprit doit être calme pour entendre Dieu et le Seigneur. Pierre dit en 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobre, restez vigilants. » Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable utilise la peur pour contrôler vos pensées. Il est également bruyant, donc si votre esprit est calme, vous entendrez le diable, clairement. Le diable compte sur un camouflage pour se cacher. Le lion rugissant est le lion mâle qui se cache généralement dans les hautes herbes. En général, il ne fait pas vraiment du travail. L'herbe longue dans laquelle il se cache est comme vos pensées que vous continuez d'écouter. Le lion mâle essaie de se rapprocher le plus possible dans les hautes herbes. Puis, il saute pour créer la peur et pour faire courir la proie dans un piège où les lions, donc les lions femelles, attendent également et se cachent dans les hautes herbes. Et les victimes de ce piège écoutent le rugissement par peur au lieu d'attaquer le rugissement. Le diable a également planté des choses dans votre esprit pour vous faire tomber dans son piège. Par exemple, les démons veulent que vous pensiez que vous avez échoué lorsque vous êtes corrigé. En fait, Jésus a apporté la vérité et la conviction pour vous libérer. Le diable ne veut pas que vous vous échappiez. Jésus est Seigneur maintenant et allez-vous le laisser être aussi le Seigneur de vos pensées? Quelqu'un a dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Si vous continuez à servir vos pensées ou votre propre esprit, alors vous êtes hors service. L'ordre approprié pour l'homme à la création était esprit, âme, corps. À la création, le péché n'avait pas séparé l'homme de Dieu et Adam avait un esprit ou des pensées qui fonctionnaient et il pouvait marcher avec Dieu. Il y avait un lien direct entre l'intelligence de Dieu et l'intelligence de l'homme à travers l'esprit d'Adam. L'esprit d'Adam à cette époque était contrôlé par Dieu. Un bon exemple de cela à la création était qu'Adam a nommé tous les animaux. Et ceci est écrit ou noté en Genèse 2 dans les versets 19 et 20. L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Adam venait d'être créé. Il n'avait aucune expérience ou connaissance sur laquelle s'appuyer. Il a donné tous les bons noms pour le règne animal en une seule journée alors que Dieu les a amenés devant lui. Il a juste ouvert la bouche, Dieu l'a rempli et il avait l'air brillant. Dieu vous honorera si vous lui permettez à vous utiliser. Jésus a également dit la même chose à ses disciples en Matthieu, dans le chapitre 10 et le verset 19. Donc l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 19. « Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. » Dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 13, dans le verset 11, c'est écrit « Quand on vous emmènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz,
mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Les dirigeants juifs étaient étonnés. En Actes 4, verset 13, nous lisons sur la réaction de ces hommes éduqués. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Nous n'étions pas censés consulter notre intelligence ou nos pensées ou générer des pensées. Votre esprit doit être un endroit où Dieu peut écrire ses lois. Paul dit en Hébreu, dans le chapitre 10, dans les versets 15 à 17, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Ces pensées peuvent venir à tout moment. Cela inclut en particulier le besoin ou les écritures dont vous avez besoin à un certain moment afin que vous n'ayez pas à mémoriser les versets de la Bible. Il vous suffit de les lire à haute voix. C'est ainsi que l'Esprit renouvelé œuvre avec le Saint-Esprit en charge. Lorsque votre esprit est calme, Jésus a promis à ses disciples en Jean 14, 26, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dieu sait ce que vous devez savoir maintenant. Notre esprit était conçu pour écouter et obéir. Et pour faire confiance. Seul Dieu sait à quoi nous devrions penser maintenant. Le diable bombarde l'esprit humain avec trop d'informations via Internet et la télévision. Je sais que l'homme est fait de façon merveilleuse et je crois que l'esprit humain a la capacité de contenir des pensées divines afin que l'humanité ne puisse pas la surcharger. Cependant, les ordures du diable que vous écoutez et qui font appel à votre chair empêcheront votre esprit de fonctionner correctement. Les esprits de peur paralyseront vos pensées. Vos principes seront corrompus et tordus de sorte que le mal est bien et le bien est mal. Le diable est un menteur, il est donc obligé de vous mentir. Il doit expliquer les mensonges avec plus de mensonges. Si vous dites un mensonge, alors vous devez dire un autre mensonge. Dieu n'est pas comme ça. Le diable est le responsable de toutes ces images et informations clignotantes qui vous parviennent de plus en plus vite. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Le diable essaie même de changer la fréquence de votre cerveau pour que vous n'entendiez pas Dieu quand il parle d'une petite voix calme. Dieu dit en Ésaïe 46, verset 10, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » La parole du Père est vérité. Quand Dieu parle, vous ne savez pas s'il parle du début, de la fin ou de quelque chose entre les deux, mais ce sera toujours ce que vous devez savoir maintenant parce qu'il vous aime et vous pouvez lui faire confiance. Le renouvellement de votre intelligence ou de vos pensées est un témoignage que Jésus est réellement le Seigneur de votre vie. Si votre esprit n'est pas renouvelé, alors c'est un témoignage contre vous que vous ne lui faites pas confiance en tant que Seigneur de votre vie. Paul a dit en Actes 17, 30, « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains
partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. L'homme a consulté son propre esprit parce que le péché est venu dans le monde et nous étions tous éternellement séparés de Dieu. Dieu a permis cette mauvaise utilisation de l'intelligence, mais par son certains effets secondaires. Depuis la création, par exemple, les gens vivent des vies plus courtes, les maladies mentales augmentent et la science montre que l'homme n'accède qu'à moins de 5% de la capacité de son cerveau à un moment donné. Seul Dieu sait comment tout utiliser. Au départ, nous avons été créés pour servir Dieu dès le départ. Nous n'avons pas été faits comme les anges, mais il nous a donné un libre arbitre afin que nous puissions choisir Dieu volontairement et avoir une relation avec lui. Adam était heureux de laisser Dieu lui montrer quoi dire. Voilà comment ça devrait être avec vous maintenant. Dieu a dit à Moïse en Exode, chapitre 4, dans le verset 11 et 12. L'Éternel lui dit, « Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Vous devez faire confiance à Dieu, emprunter le chemin étroit ou resserré et suivre Jésus. Paul a dit en Hébreux, chapitre 10, verset 38, « Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Votre foi devrait être en lui, que Dieu vous aime vraiment et qu'il prend soin de vous, surtout dans les petites choses. Croyez-vous qu'il est Dieu? Paul dit en 1 Corinthiens 10, verset 26, « Car la terre, avec tous ceux qu'elle contient, appartient au Seigneur. » En Hébreux, chapitre 11, verset 6, c'est écrit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Et en anglais, c'est écrit « qui le cherche assidûment ». La foi signifie que vous êtes diligent ou assidu et que vous ne croyez pas seulement qu'il existe. Ce mot « assidu » en strong, avec le numéro 1567, veut dire « rechercher », c'est-à-dire au sens figuré « enquêter », »,« implorer », exigé. Assidu signifie aussi désirer le lait pur de la parole. Cela vous aidera à vous repentir et à le connaître. Pierre a dit en 1 Pierre 2:2 « Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. » Il n'est pas difficile de trouver une réponse de Dieu, si vous êtes paresseux, vous ne chercherez pas une réponse de lui. Si vous êtes assidu, vous ne ferez rien sans l'avoir d'abord entendu parler. Les gens dans ce monde n'agissent pas lentement et ils entendent des voix, entre guillemets, et utilisent leur intelligence. Mais ils ne savent pas s'ils servent le diable ou non. Ils ne sont pas assidus ni soucieux tant qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils font du commerce avec le diable toujours, pas tous les jours en fait. Ne vous laissez pas intimider par celui ou par ceux que les autres font dans leur chair. Quelqu'un pourrait être bon dans sa vocation grâce à la grâce de Dieu, mais vous voulez demander à Dieu en tous les cas parce que c'est le seul moyen sûr de vivre libre du péché et du diable. Paul a dit en Romains 12, 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. »
Ce sera de votre part un culte raisonnable. La première étape pour renouveler votre esprit est de faire de Jésus le Seigneur fonctionnel et de devenir un sacrifice vivant. Vous aurez du mal à le faire si vous ne croyez pas qu'il vous aime. Si vous croyez vraiment qu'il vous aime, alors vous le laissez prendre toutes les décisions et vous vous soumettez complètement à Dieu. L'esprit ou l'intelligence a besoin d'être reprogrammé parce que la propagande du diable est toujours la même. Si vous êtes né de nouveau, elle est toujours là, même si vous êtes né de nouveau. Le diable dit que Dieu ne vous aime pas et le diable ne veut pas que vous deveniez un sacrifice vivant et que vous fassiez Jésus Seigneur. Le diable veut que vous reveniez et que vous le serviez. Je vous recommande également de lire le chapitre 14 sur la bataille dans la pensée du livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin ». Voilà, volume 2 de Joseph Hitchcock et ce chapitre 14 est sur les pages 220 à 230 dans la version anglaise. Dans la Bible amplifiée, Romains 12, 1, dit « Je vous appelle donc, frères, et je vous en prie ou supplie. » Donc, voyez ce verset comme la dernière chance d'abandonner chaque partie et de vous donner à Dieu pour son usage. Par la grâce du Saint-Esprit, il est prêt à prendre le relais. Vous devez le choisir volontairement. Et Élie a dit en 1er Roi 18, 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux ? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. Paul a dit en Galates 5, 13 « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. » Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Paul continue en Galates 5, 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Vous péchez ou vous allez pécher si vous n'obéissez pas à l'Esprit Saint. Jacques a dit en Jacques 1, 14, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. » Dans la Bible amplifiée, en Romains 12, 1, cela dit, « Compte tenu de toutes les miséricordes de Dieu, prenez une décision décisive. La vérité est que vous méritez d'être jeté en enfer, mais Dieu a eu pitié sur vous, de vous. » Noah Webster, en 1828, écrit dans son dictionnaire, « En ce sens, il n'y a peut-être pas de mot dans notre langue précisément synonyme de miséricorde. Ce qui s'en rapproche le plus est la grâce. Elle implique la bienveillance, la tendresse, la douceur, la pitié ou la compassion et la clémence, mais ne s'exerce qu'à l'égard des délinquants. La miséricorde est un attribut distinctif de l'être suprême. La miséricorde signifie qu'on ne récolte pas les conséquences des actions pécheresses que vous et moi méritons. La grâce est la faveur imméritée de Dieu que je ne mérite pas. Votre salut signifie également de ne pas faire vos propres œuvres, de rechercher et de trouver avec diligence les œuvres qu'il avait prévues pour vous de faire avec l'aide du Saint-Esprit. Paul dit en Éphésiens 2, dans les versets 8 à 10, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce sont des œuvres prédestinées, planifiées au préalable pour vous. » Et pour moi, Jérémie dit en Jérémie 29, dans les versets 11 à 13,
En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Vous pouvez facilement marcher dans ces sentiers en faisant confiance à Dieu de tout votre cœur. Écoutez ce qui est écrit ici en Proverbe 3 dans les versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Si vous lui faites vraiment confiance de tout votre cœur, vous ne vous pencherez plus jamais sur ce que vous pensez savoir et vous le suivrez à la place. Croyez-vous que vous devez tout demander à Dieu? Le signe que vous croyez quelque chose dans votre cœur ou au fond de votre être et que vous le mettez en œuvre. Vous pouvez être entouré de gens qui ne croient pas que vous devriez attendre ou craindre Dieu et vous éloigner du mal. En Proverbe 3:7, c'est écrit « Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal ». Rappelez-vous que le péché et la mort sont les résultats d'un chemin qui semble simplement droit à votre intelligence. Maintenant, vous devez compter sur autre chose que votre esprit pour arriver à la vérité. Vous serez toujours tenté de vous fier à votre propre intelligence, à moins que vous ne croyiez en votre cœur ce qui suit. Premièrement, la chair ne peut plaire à Dieu. Deuxièmement, qu'avec votre esprit, vous ne pouvez pas arriver à la vérité. Troisièmement, que seul le Saint-Esprit peut vous conduire dans toute vérité. Quatrièmement, que vous aurez besoin de la conviction du Saint-Esprit et des émotions saintes, y compris la crainte du Seigneur pour vous repentir. Le Saint-Esprit peut renouveler vos pensées et vous montrer tous les mensonges que le diable y a placés. Jésus a dit en Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité est une personne, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Ce n'est qu'en apprenant à connaître personnellement Jésus et en le suivant que vous pourrez être libéré. Jésus a dit en Jean 14, 6, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Vous devez accepter sa Seigneurie et quel que soit le chemin qu'il choisit pour vous. Cela peut signifier des souffrances, des épreuves ou des difficultés. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un d'autre, sinon vous pourriez finir par juger Dieu. Il vous suffit de suivre. Il n'y a pas de carte. Vous ne pouvez revendiquer aucun droit. N'oubliez pas que vous avez été sauvés des ténèbres et que vous servez le diable depuis des années. Osée 10, 13 dit, « Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché, mangé le fruit du mensonge. En effet, tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes veillants hommes. » Vous êtes en retard dans votre mission. Acceptez simplement toute commande qu'il vous donne si vous voulez racheter le temps perdu. En Joël, chapitre 2, verset 25, c'est écrit « Je vous remplacerai les années qui ont dévorcé la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Vous devez croire le suivant, que le seul chemin vers la liberté est la croix si on suit Jésus en devenant un vrai disciple. Cela comprend toutes les paroles dures et écouter l'esprit de vérité. La Bible amplifiée décrit la chair comme la nature humaine sans Dieu. Paul dit en Romains 8, versets 7 et 8, « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est pas. »
et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Paul dit encore en Philippiens 2, 13, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Seul l'Esprit de Dieu connaît la pensée et la volonté parfaite de Dieu. L'Esprit ne sera jamais transformé ou en une ressource suffisamment bonne pour que vous n'ayez pas à tout demander à Dieu. Ses voies sont plus élevées. Vos tentatives pour remplir votre esprit avec plus de bonnes informations ne renouvellent pas l'esprit. Cela entrave le processus. Dans le royaume de Dieu, c'est ainsi que les choses fonctionnent. Donc, la foi et l'obéissance viennent avant qu'il n'explique quoi que ce soit. Puis, la connaissance spirituelle vient de la crainte de Dieu, pas en utilisant votre intelligence. Puis, l'expérience vient de l'application de la vérité et si on met en œuvre la parole vivante, et la sagesse vient de l'expérience et non sans un certain inconfort. Et la compréhension vient de l'application de la sagesse spirituelle dans la douceur ou l'humilité. Vous ne pouvez pas vivre dans le plan de Dieu en utilisant votre propre esprit, vos propres pensées, votre propre intelligence. Dieu dit en Ésaïe 55, dans les versets 8 et 9, « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Vous prouverez seulement la volonté parfaite de Dieu en faisant ce qu'il dit d'abord avec douceur ou humilité. Jésus dit en Matthieu 5:5, « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Jacques dit en Jacques 1, verset 21, c'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Et encore en Jacques, dans le chapitre 3, dans le verset 13, c'est écrit « Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. » Pierre dit en 1 Pierre 3, verset 4, « Mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. » La douceur signifie que vous allez devoir relever certains défis et que vous êtes déterminé à conserver la vérité. Paul a dit en Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous ne pouvez pas prouver la volonté parfaite de Dieu sans arriver à la vérité. Lorsque vous recherchez la vérité, vous devez utiliser les trois témoins, pas votre intelligence. L'esprit de vérité, c'est le premier témoin. Les émotions qu'il crée confirment la vérité. Deuxièmement, c'est la parole vivante. La parole vivante de vérité, c'est la parole qu'il dépose dans votre tête ou dont il vous rappelle. Et l'esprit aussi donne témoignage pour ceci. Le Père, le troisième témoin, c'est le Père et la paix qu'il donne, qui est un fruit de l'Esprit, cette paix de Dieu. Et si quelque chose ne va pas bien, cette paix va vous allez perdre cette paix. Pour plus d'informations, veuillez lire le livre « Trois témoins infaillibles » de Joseph Hitchcock. Un fruit du fait que votre intelligence est renouvelée et que vous ne serez plus conforme à ce monde, voici quelques signes que votre intelligence n'est pas encore renouvelée. Premièrement, vous ne savez pas que Dieu vous aime. Deuxièmement, il y a toujours du jugement dans votre vie. Vous jugez toujours. Troisièmement, vous avez beaucoup d'opinions. Quatrièmement, vous avez des doutes.
Cinquièmement, vous servez un esprit de peur. Sixièmement, vous avez de la timidité ou un manque d'audace. Septièmement, vous avez de l'incrédulité. Huitièmement, une dureté de cœur où vous n'êtes pas enseignable. Neuvièmement, il y a un manque de joie. Et dixièmement, il y a un manque de paix. Un mensonge fondamental qui existe dans le monde aujourd'hui est que les gens croient que Dieu n'est pas amour. Cette fausse croyance est un obstacle pour laisser Dieu renouveler votre intelligence. Cela entravera votre foi. Joseph Hitchcock dit dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, fondement de la maturité spirituelle ». Vous ne pouvez faire confiance à Dieu que si vous savez qu'il vous aime vraiment. Jean a dit en 1 Jean 4, 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Beaucoup croient à un mensonge que Dieu juge en fait le monde à la place. Mais Jean a dit en Jean 3, 16 et 17, en fait, Jésus a dit ceci, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus aimait le monde et dans la Bible amplifiée, il était écrit qu'il chérissait le monde. Si vous luttez pour croire et savoir que Dieu est amour, alors vous croyez toujours un mensonge. Et vous n'avez pas été transformé, vos pensées n'ont pas été transformées. Paul a parlé à l'Église en Éphésiens 5, dans les versets 25 jusqu'au 27. Voici, il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Si vous commencez à juger n'importe quelle situation et à tirer des conclusions sans demander à Dieu, alors vous êtes encore charnel et votre esprit n'est pas renouvelé. Vous ne pouvez pas juger parce que vous n'avez pas tous les faits. Vous n'êtes pas autorisé. Dieu décide quand, où et combien. Votre intelligence ou votre esprit n'était pas conçu pour juger. En Matthieu 7, versets 1 et 2, c'est écrit « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière que vous auriez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. » Si vous ne voulez pas être jugé, ne le faites pas vous-même. Ne croyez pas que vous allez échapper au jugement tant que vous jugerez encore quelqu'un d'autre. Seul Dieu est qualifié pour juger. En Psaume 94, 1, verset 1, c'est écrit « Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances, révèle-toi ». Ce devoir appartient à Dieu seul. Paul dit en Hébreu 10, verset 30, « Nous connaissons en effet celui qui a dit, « C'est à moi qui appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite. » Il a ajouté, « Le Seigneur jugera son peuple. » En Romains 12, 19, c'est écrit, « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, « C'est à moi qui appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Pour plus d'informations, veuillez lire le chapitre 11 du livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin », volume 2, « Grandir spirituellement », aux pages 182 jusqu'à 194. Les opinions sont comme des nez et tout le monde en a un. Nous ne devrions pas avoir des opinions comme ce monde. Les opinions suscitent beaucoup de discussions. Nous partons de la vérité et ne débattons pas.
Paul a dit en 2 Timothée 2, 24, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des conflits. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Les doutes viennent de la réflexion et de la confiance en ce que vous pouvez voir. » Pour que vous puissiez fonctionner dans le royaume, vous devez croire et ne pas douter. Jacques dit en Jacques 1, dans les versets 5 à 7, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Nous ne devons avoir aucune crainte du tout. En 2 Timothée 1, verset 7, c'est écrit, « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous ne devons pas être timides, mais audacieux, même pendant une certaine opposition. Paul a dit en 1 Thessaloniciens 2, verset 2, « Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, vous avez pris de l'assurance en notre Dieu. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. » L'incrédulité est basée sur un mensonge. Ce n'est pas un mensonge dont vous savez que c'est un mensonge, mais un mensonge dont vous croyez que c'est la vérité. Jean a dit en 1 Jean 2, dans le verset 27, « Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonge, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. » Pour plus d'informations sur l'incrédulité, veuillez vous reporter au livre The Gilded Prison Revised Edition, La prison dorée, l'édition révisée de Joseph Hitchcock. Dans le royaume de Dieu, personne n'arrête jamais d'apprendre. Joseph Hitchcock écrit, Dieu n'a pas de diplômé. Jésus a dit au Matthieu, dans le chapitre 11, verset 29, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Vous devez apprendre de Jésus en étant attelé avec lui, restez enseignable. Vous devez porter son joug et vous trouverez du repos parce que son onction vous apprend à demeurer en lui. Si vous ne demeurez pas en lui, vous n'aurez pas d'onction. Jésus est doux et humble lorsque vous êtes dans l'esprit, mais il résistera également à votre chair. Ou il vous résistera quand vous êtes dans la chair. Pierre dit aussi en 1 Pierre, dans le chapitre 5, versets 5 et 6, « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens et vous soumettez tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Ésaïe dit également en Ésaïe 55, verset 6, recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Restez proche et soumis à Dieu et vous entendez sa voix. Si vous avez de longues périodes loin de sa présence, alors quand vous reviendrez, il y aura beaucoup de corrections. Beaucoup de corrections. Paul a dit en Hébreux 3, dans le verset 15, « Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Si votre cœur devient dur, le processus de renouvellement de votre esprit, de vos pensées s'arrêtera. Vous avez besoin de la joie du Seigneur qui vient quand vous demeurez en présence de Dieu. » En psaume 16, verset 11, c'est écrit, « Tu me montreras le chemin de la vie en ta présence et plénitude de joie. À ta droite, il y a des plaisirs pour toujours. » Tu me fais... Oui, pour toujours.
Vous devriez essayer de vous réjouir fréquemment et voir si vous avez du mal ou non. Si vous ne pouvez pas vous réjouir, vous n'êtes pas en sa présence. Paul dit en Philippiens 4, 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Nous avons besoin de joie même lorsque les épreuves arrivent. Jacques a dit en Jacques, chapitre 1, dans le verset 2 à 3, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Il ne dit pas « Réjouissez-vous quand vous avez une épreuve de temps en temps ». Il y a une différence. Vous avez besoin de nombreuses épreuves. Alors, vous seriez bénis. Vous devez changer votre attitude face aux épreuves. Cela fait également partie du renouvellement de votre intelligence. Sans cela, sans les épreuves, vous ne pouvez pas développer la patience et courir votre épreuve, votre course. Paul a dit en Hébreux, chapitre 12, verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Votre salut comprend la charge de votre croix et comprend donc un appel à la souffrance. Voulez-vous être sauvé? Jésus a dit en Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, dans le chapitre 16, dans le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » C'est un appel de souffrir. Vous devez donc être préparé par Dieu pour cela. Pierre a dit en 1 Pierre 4, 19, « Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Par la souffrance, nous pouvons alors vraiment prouver que le Christ vit en nous. La paix est un fruit de l'esprit et un fruit d'une intelligence renouvelée qui opère sous sa seigneurie. Paul a dit ainsi en Romains chapitre 8, dans les versets 5 et 6, « En effet, ceux qui sont conformes à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. » En Ésaïe 26, verset 3, c'est écrit « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. » Vous avez peut-être besoin de plus de grâce et de paix pour le chemin resserré. 2 Pierre 1, 2 dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Pierre a prié pour les élus. Votre responsabilité est d'apprendre à connaître Dieu et Jésus en tant que votre Seigneur et non seulement votre Sauveur. Alléluia. Chacun a le potentiel d'être transformé. Nous étions tous éloignés de Dieu par le péché, mais maintenant, si vous êtes né de nouveau, vous pouvez être reconnecté à Dieu par le Saint-Esprit. C'est comme le Wi-Fi spirituel connecté maintenant par Jésus, car il est mort sur la croix. Chaque fois que cette connexion est rompue, confessez simplement vos péchés.
La chair et l'esprit sont opposés. Puisque vous avez accepté Christ, vous devriez avoir une abondance de fruits de l'esprit si vous avez été transformé. Cette transformation n'est possible que par une intelligence ou des pensées qui sont soumises à Dieu et à ses paroles vivantes qui viennent pour votre vie quotidiennement par le Saint-Esprit. C'était comme ça avant la chute de l'homme. Vous ne serez pas transformé autrement. Cela ne se produit que lorsque vous décidez de suivre Jésus. Il n'y a pas de troisième choix. Nous pouvons rattraper notre retard et apprendre ce qui a vraiment de la valeur dans le royaume et ce que nous sommes venus faire ici. Jean a dit en Jean 1, verset 17, en effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Les gens croient que Dieu les maudit quand ce n'est pas le cas. Paul a dit en Galates 6, dans les versets 7 et 8, il a vraiment vu ce qui se passait dans ces situations. Et c'est écrit en Galates 6, 7 et 8, « Ne vous y trompez pas. » Il y a beaucoup de personnes qui sont trompées aujourd'hui et leur façon de penser n'est pas renouvelée. Donc Galates 6, versets 7 et 8, « Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. » Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Il est vrai que Dieu est le juge, mais il passera bientôt. Il passera bientôt le jugement car ce monde touche à sa fin, mais il le fera au bon moment. Et aussi le temps touche à sa fin. Alors repentez-vous. Pierre a dit en 2 Pierre 3, 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il ne juge qu'à la fin pour donner à chacun une chance de se repentir. La miséricorde de Dieu peut nous empêcher de récolter ce que nous avons semé dans la chair et en nous donnant le temps de nous repentir et de ne pas périr. Ceci est basé sur l'amour. Si vous n'aimez pas ce que vous récoltez, alors arrêtez de semer dans la chair. Il est simple de changer la qualité de votre vie par la repentance. Joseph Hitchcock a dit ou déclaré, si vous voulez avoir quelque chose que vous n'avez jamais eu auparavant, alors vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Dieu ne sera pas moqué. Jésus a dit en Matthieu 5, 18, en effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Jésus a parlé du serviteur méchant et paresseux qui avait cru un mensonge et qui avait une mauvaise attitude vis-à-vis le travail que le Seigneur Jésus-Christ lui avait confié. En Matthieu, dans le chapitre 25, dans les versets 24 à 30, nous pouvons lire cette histoire et écouter bien. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. » Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Le diable a très bien réussi avec un mensonge qui dit que Dieu est un maître dur, qui donne des tâches difficiles, même parmi les enfants de Dieu. Dieu a jugé le serviteur méchant et paresseux par ses propres paroles. Cela a été basé sur le fait qu'il aurait pu faire quelque chose avec ce qu'il avait, mais la vérité était qu'il était paresseux. Paul a dit en 2 Corinthiens 13, dans le verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Joseph Hitchcock dit dans l'introduction de son livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1 », au début de ma marche avec le Seigneur, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans la présence de Dieu et encore plus du mal à y rester pendant un certain temps. Je voulais avoir la communion avec Dieu dont parlait la Bible, mais ce genre de relation ne semblait ni normal ni facile pour moi ou pour quelqu'un que je connaissais. À l'époque, c'était décourageant et je suis arrivée à la conclusion que quelque chose n'allait vraiment pas. Soit la Bible était erronée, soit ce que le christianisme acceptait comme normal était faux. Alors, j'ai choisi de croire que la Bible avait raison. Cela signifiait que j'avais tort. Si vous n'acceptez pas cette conclusion comme étant la vérité, vous perdrez votre temps à lire ce livre. Avant d'aller plus loin, vous devez accepter que vous soyez le problème si votre relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être. Vos pensées ou votre intelligence n'est pas renouvelée si vous pensez toujours que Dieu est le problème. Il ne vous limite pas, il fait obstacle à vous empêcher, oui, pour vous empêcher de détruire votre appel et pour que vous ayez la moindre chance d'entrer dans le royaume de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Il vous guide même comme un berger, parce que vous résistez dans vos pensées. Avez-vous déjà pensé à ce que Dieu ressent concernant votre incrédulité, le fait qu'il se soucie vraiment de vous? Si vous êtes en droiture avec Dieu, vous devez également avoir une communication droite avec Dieu. En tant que croyant, soit vous êtes spirituel ou charnel, ne vous excusez pas si vous soupçonnez que quelque chose nourrit votre chair, vous devez l'arrêter maintenant, sinon vous vous retrouverez avec une grosse chair qui résiste tout le temps et puis vous n'entendez et n'obéissez jamais à Dieu. Si vous voulez entendre et apprendre à connaître et suivre Jésus, je peux recommander ce livre « Mes brebis entendent ma voix » de Joseph Hitchcock. Si vous avez entendu ce message aujourd'hui et si vous voulez prendre un nouveau départ et prendre la décision de commencer sur le chemin resserré avec une repentance quotidienne et régulière, alors je peux recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, fondement de la maturité spirituelle » par Joseph Hitchcock. Si vous voulez en savoir plus sur la façon dont le diable utilise les mensonges et si vous voulez avoir plus d'informations sur les chemins qui semblent droits, veuillez lire le livre « The Gilded Prison, la prison dorée » de Joseph Hitchcock. L'édition révisée est maintenant disponible en anglais et donc, je veux prier avec vous si ce message vous a touché. Le plan de Dieu est que vous soyez transformés. Il vous aime. Et si vous ne savez pas vraiment que Dieu vous aime, je veux prier avec vous maintenant parce que c'est un signe que quelque chose va vraiment pas bien du tout. Père Céleste, je prie pour chaque personne qui écoute ce message, qu'ils peuvent savoir que tu es si merveilleux, si grand, et que ton amour est si merveilleux, si grand, si profond pour eux. Et je prie qu'ils savent qu'ils sont chéris et tellement aimés par toi et que tu veux qu'ils soumettent leur vie complètement à toi et qu'ils apprennent à écouter ta voix au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été béni par ce message, je vous prie de contacter le ministère et mes coordonnées seront indiquées à la fin. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne journée.
Si vous avez lutté spirituellement pendant des années, si vous ne vous trouvez pas dans votre marche avec Dieu où vous voulez être, si vous voulez vraiment finir cette course, cette épreuve que Dieu a pour vous, je vous recommande ce livre, Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, fondement de la maturité spirituelle. Ce livre écrit par Joseph Hedgecock vous donnera des détails et comment vous pouvez surmonter les difficultés ou ce qui vous empêche d'avoir cette relation avec Dieu, et cela vous enseigne comment les anciennes choses peuvent passer et des nouvelles choses peuvent arriver. Cela va vous enseigner comment vous pouvez vraiment mettre ce bon fondement et ce fondement sur lequel il peut construire plus tard. Si vous voulez vraiment que votre père vous enseigne, si vous voulez grandir spirituellement, ce livre est pour vous et vous pouvez le trouver sur www.slm.org.